Tu veux que je te mette un oreiller sur la bouche? T'as l'intention de m'étouffer? Quoi? C'est un nouveau truc sexuel? Non, c'est pour pas réveiller Stella. Oh non, t'inquiète, je vais pas faire de bruit. Pardon. On a vendu notre maison. Non. Vous n'avez pas encore vendu. On doit la vendre pour payer celle qu'on vient d'acheter en banlieue. Il faut attendre 30 jours. Passé ce délai, si tout va bien, la vente sera conclue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Salut, on est vos voisins. Bienvenue à Kapanou. C'est quoi ça? C'est un restaurant grec? Ah, c'est notre sororité. J'y crois pas, une sororité juste à côté de chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est peut-être pas si terrible. Les filles s'écalment en général. Ah, elles prennent pas de drogue dure. Ah, et elles sont plus réfléchies. Ah, oh non, j'ai tué une fille. Je suis sous Antalgie, connard. Kapanou. Il nous faut quelqu'un capable de se mettre à leur niveau de débilité. Eh les voisins, on va leur niquer l'ambiance. Super vos déguisements. T'as l'air d'un psychopathe. Ouais, je suis en clown. Les gens aiment beaucoup les clowns. Tu en fais plus jamais ça. Ils essaient de démanteler notre sororité. J'ai une idée. On va leur faire le coup de l'airbag. Ça marchera pas. Si ça marche sur les gars, pourquoi pas sur les filles? Parce que c'est con, un gars. Nos acheteurs ne voudront jamais habiter à côté d'une sororité. On va faire ce que savent faire les parents. Empêcher les jeunes de faire la fiesta. Bon courage pour appeler les flics sans téléphone. Remets ça en place. Non. Oh, oh, c'est quoi ça? Ça s'appelle un fil pétasse. Putain de téléphone de vieux. Non. Oh, ah. Ces filles sont déchaînées. Lâchez-moi. Elles se servent de leur sexualité comme d'une arme. Au secours. Dégagez les tigres. Ça marche pas. Ça les rend encore plus sexy. Arrêtez. Non mais arrêtez.